Donc aujourd'hui, Animaux en Péril a été sollicité par le bourgmestre de Leuzon-Hainaut pour porter secours à 16 vaches détenues dans une ferme suite au suicide du propriétaire. Les vaches étaient laissées complètement à l'abandon. 10 d'entre elles étaient détenues dans les étables. Elles n'avaient évidemment plus à boire ni à manger. Et les 6 autres étaient en prairie. C'est les 10 premières vaches qui ont été ramenées urgemment au refuge de Mélin-l'Évêque. Les 6 autres restant en prairie, nous nous relayons pour leur donner à boire et à manger en attendant de pouvoir organiser un nouveau transport. L'intervention a été assez compliquée. Nous avions été repérer les lieux la veille et surtout donner à boire aux vaches qui étaient donc détenues dans ces étables. Et nous avons découvert que 2 d'entre elles étaient détenues dans une étable où la moitié du sol s'était affaissée, donnant un accès direct à la fosse à lisier. Donc c'était extrêmement dangereux. Elles ne pouvaient plus sortir de cet endroit. Elles étaient carrément prisonnières de leur étable. Donc nous avons sollicité nos collègues du Rêve d'Abi qui sont venus nous prêter main forte, ainsi que notre entrepreneur qui a réussi à créer un plancher de fortune pour pouvoir laisser passer les vaches. Donc, parmi les animaux qui étaient dans cette ferme, il y a aussi cette petite génisse qui a la taille d'un veau de 3 mois, mais qui en réalité en a 9, ce qui prouve que les animaux n'avaient pas tout ce dont ils avaient besoin. D'ailleurs, les conditions de détention n'étaient vraiment pas bonnes sur place. Le bien-être des vaches n'était pas respecté. Elles étaient détenues à l'ancienne avec des chaînes qui les attachaient au mur dans plusieurs centimètres d'excréments. Certaines sont blessées à cause de cela. D'autres ont des onglons vraiment beaucoup trop long, ce qui prouve qu'elles n'ont jamais été entretenues. Et on peut croire que ces animaux n'ont jamais vu la lumière du jour. Et donc maintenant, la suite pour ces vaches, elles vont être réparties dans différents refuges. Alors plusieurs vont rester chez Animaux en Péril, dont notamment le taureau, et les autres vont partir rejoindre les refuges d'Equichance, du Rêve d'Abi, d'Animal Sans Toit, de Taboula Rasa et d'El Palmier.